Oh, ma sì, madame, che pena, sono andato a trovarsi, sono con un occhio, si vede. Ma t'andrete pacco di sabbindo la lui surgisse. Servi chi è ora, che sa passione da più. Non m'attendo si m'attendo, toi che déjà je t'aimais. Dans un simple coup d'œil de mon désir je t'aime. Sous mon corps de bâtard, aux aspirités velues. N'aimerais-tu pas par hasard jeter ton dévolu? Nous sommes deux brigands, moi Scapin et lui Brighella. Et comme tout bon voleur, nous cherchons la valeur et rions de la loi. Ben, nous ne prenons rien au pain, nous sommes hommes de canard. Mais lui non, moi oui. Et la gare, parfois il ment. J'ai des soucis, mais si vous avez un mari, je l'ai tout bien. Oui, il en a conquis plus d'une en créant d'ici et là des lacunes. Oh, lui est un rustre. Il ne dédaigne aucune maison. Ce qui fait que, bien sûr, il faut que j'apaise mes hormones. Un baiser, un seul, et sincère, si vous le pouvez. Car de bonnes intentions, je crois que vous ne pouvez plus douter. Na, tu me es pas du tout, Brighella. Les femmes, c'est simplement ce qu'il y a de mieux, ce monde. Ah, c'est le plus beau des bêtards. Et une fort jolie raison d'attendre les retours du jour. Et moi, je te dis qu'elles sont une malédiction, qu'elles nous emporteront par leurs supposées caresses. Elles pressent sans cesse de leurs mains jolies les parois de notre crâne. Quand on vient à leur découvrir la faiblesse de notre cœur, c'est pour le broyer qu'elles sont approches. Il y a longtemps que tu es dans le métier, compagnon. N'as-tu jamais entendu parler des menottes? C'est une belle innovation. Bien plus efficace que les liens émotifs que l'on a coutume de créer pour captiver l'attention féminine. Il ne faut surtout pas que tu leur laisses la liberté de mener à leur bon gré. Et pour ce faire, tu as les moyens. Ces menottes sont aussi faux que le métal rouillé de l'arbre marché. Quelque chose d'aussi froid ne peut s'apparenter à l'amour que l'on recherche. Pardonne-moi de te poser la question, maître. Nous étions bien en train de parler de femmes, n'est-ce pas? Jamais je n'ai dit amour. Mais la femme est amour. C'est ce qu'elle a toujours été. Oh! La femme est amour que vos yeux de pauvre poudre qui, comme toi, se laisse prendre vos yeux de l'amour. C'est tout doulise, les menottes. Ce n'est pas le métal qui sonnera faux. C'est la peau de la belle qui résonnera plus qu'à l'habitude. Parce que tu la forceras à se donner à toi. Qu'il y a mérite ou pas. Comment peux-tu tenir tous ces effroyables propos? Les femmes t'aiment, toi, et tu les aimes bien en retour. Là encore, tu te trompes. Elles jouent bien. Et je joue très bien en retour. On sait là toute la subtilité de ce que tu t'entêtes à appeler l'amour. Tu as beau être ressource même de la pourverie, Michela. Tu cultives la sottise. Tu n'as encore rien compris. Il faut que tu comprennes toute la vie que je, carte voilée, carte frimée, petit mensonge, de la passion, et ne fais pas exception. C'est dur d'avouer telle chose. Et tu vas attendre de passer par toutes les formes de torture possibles avant de t'y décider. Et ce serait vraiment idiot de ta part. Mais toi et moi, ce n'est pas dans notre nature que de nous laisser faire. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et ces femmes que tu dis avoir aimées, n'y en a-t-il pas qui sont tombées dans tes bras, qui t'ont cédé la nuit et le jour, dans lesquels tu as pu goûter la tendre chair? Oui, mais c'est parce qu'elles avaient peur de moi, parce qu'elles se sentaient obligées. Elles me voyaient menaçant quand je voulais seulement me montrer aimant. Elles me laissaient leur faire l'amour en méprisant mes silences consternés. Elles n'attendaient que le moment où elles en auraient fait suffisamment, le moment où elles pourraient me dire. Ce n'était pas des grandes victoires, hein? Et non, ce n'était pas des grandes victoires. Mais tu t'es entêté. Tu n'as pas voulu avouer. C'est cela qui t'a mené à des autres défaites. Tu n'as cessé de jouer le mauvais jeu. Tandis que tu étais le plus fort à dérober l'argent et l'or, tu persistais à rester un acteur gagnant sa talent. Mais je ne jouais pas. J'étais vrai. Qui s'arrête à tous ces petits détails? Qui s'en inquiète? Personne, Brighella! Tu n'auras jamais ce à quoi tu aspires. Je ne crois pas, pour ma part, que les femmes de vérité te séduisent. Et même s'il y en avait vraiment une,
Mais elles auraient beaucoup trop à perdre là où il n'y a pas de jeu à jouer. Et tu n'as pas le choix. Comme je l'ai fait moi-même, il te faudra apprendre à te contenter de plus beau des mensonges qu'elles peuvent te faire. Il faut que tu les forces à jouer de façon si belle que parfois tu te surprendras à être presque convaincu. Il faut qu'elle soit si bonne actrice que t'es encore naïf, tu y aurais cru. Mais si j'agis de la sorte, j'aurais l'impression de commettre un vol. Et puis après, et premièrement, c'est ton métier. Hein? Et ce genre de vol n'en est qu'en théorie. La réalité n'a rien à voir avec l'imagination. Et puis on s'en fout de tout cela. Ici, il est question de passion. Si tu suis mes enseignements à la lettre, si tu mets les soins nécessaires à manipuler leur esprit mal tourné, ils ne pourront pas comprendre que ce soir-là, tu auras tiré un coup. Montez. Il n'y aura même pas de mal. T'es les mains concentrées sur les mensonges que doivent te faire et sur le personnage qu'elles doivent jouer. Crois-tu vraiment qu'ils pourront songer un instant que tu puisses être assez songé pour manipuler leur propre manigasse? Il n'y aura même pas de mal. Considérez la femme comme si elle n'était que l'outil d'un plaisir aveugle. M'emparer de sa chair, en détournant le regard de l'emplacement, va-t-il trouver son âme? Manipuler leur fourberie, de façon à en démontrer plus près dans le mensonge qu'elle ne pourrait l'être en vérité. M'escroquer le cœur, pour m'approprier leur corps. Ça me semble logique. Toutefois, ah, Scapin, tu as raison, et j'avais tort. Apprends maintenant à ne plus considérer que tu puisses avoir tort, et tout ira pour le mieux. Il te reste encore bien des choses à comprendre, Berichella. Des approfondissements, disons. Mais je suis heureux de te voir enfin sorti de ma place. Oh, voilà l'heure qui arrive. Et elle est sûrement précédée de la femme que nous attendons. Mets-toi à ton poste, cher